Alors, je vais vous exposer une problématique. Mon fils fait du curling. Alors, du coup, j'ai fait un site web pour son club. Et quand ils ont un match, sur le site, j'affiche le score en temps réel. Comment j'ai fait? C'est facile, dans la page web, j'ai mis un timer. Et toutes les 10 secondes, ça fait un appel Ajax au serveur pour récupérer le score. Et ça met à jour l'affichage. Avec deux équipes de 4 joueurs, les jours de grande affluence, j'avais une vingtaine de clients simultanés. Pas de quoi fouetter un ADSL. Mais voilà, l'an dernier, il est passé en équipe de France. Et du coup, maintenant, le moindre match amical, c'est quelques dizaines de milliers de personnes qui se connectent au site en même temps, et toujours pour afficher le score en temps réel. Et puis en plus, entre-temps, moi, j'avais ajouté tout un tas d'autres informations. J'avais rajouté la température de la glace, la vitesse de la pierre. Vous rigolez pas, là, ça s'appelle la pierre, le gros bloc de granit. Ça fait 19,96 kg. Et du coup, maintenant, mon site web, ça lui fait plusieurs centaines de milliers de requêtes à traiter, toujours toutes les 10 secondes. Alors, comment je fais? T'es en slip. Non, pas du tout. Parce que j'ai utilisé des sockets, des web sockets. Les web sockets, c'est une nouveauté de votre WebDev 22. Allez, je vous explique. Les web sockets, c'est un canal de communication direct et permanent entre un serveur et une page web. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est utilisable dans les deux sens. Bien sûr, le navigateur peut envoyer des messages au serveur, mais surtout, le serveur peut contacter le navigateur quand il veut. Et ça, ce n'est pas possible autrement. Du coup, mon site d'affichage de résultats de curling, voilà comment il fonctionne. L'internaute se connecte au site. Donc ça fait une requête HTTP, il récupère une page web. Cette page, elle ouvre un WebSocket vers le serveur. Et ensuite, elle attend de recevoir des infos dans ce socket. Plus besoin d'un appel toutes les 10 secondes. Quand une info change sur le serveur, par exemple, une équipe marque ou la température de la glace varie, le serveur écrit dans le socket de chaque client la nouvelle info. Les navigateurs clients reçoivent l'info et actualisent l'affichage. L'utilisation et réseau est minimale, seules les infos nécessaires circulent. Il n'y a pas de latence, plus besoin d'attendre 10 secondes quand il y a une donnée qui change. Et la charge sur le serveur est réduite puisqu'il n'y a plus les appels toutes les 10 secondes. Alors maintenant, voyons concrètement comment vous mettez en place un WebSocket dans un site WebDev. Alors pour ouvrir un WebSocket, il faut commencer par faire une requête HTTP spécifique. Voilà comment ça se passe. Le navigateur fait une requête HTTP ou HTTPS vers le serveur. Alors, d'ailleurs, en général, il vaut mieux faire du HTTPS, déjà pour l'aspect sécurité, mais en plus pour des WebSockets, vous n'aurez pas de problème si vous utilisez des proxys. Dans cette requête, il y a une en-tête particulière, c'est l'en-tête Upgrade WebSocket. Alors, cette en-tête, en fait, elle indique au serveur qu'il doit transformer la connexion HTTP en WebSocket. Bon, après, je vous passe les détails sordides du protocole d'établissement d'un WebSocket. De toute façon, on a écrit le code pour vous. Une fois que le WebSocket est ouvert, le dialogue entre le serveur et le navigateur peut s'effectuer dans les deux sens. Alors, sur le DVD, vous trouverez un composant interne qui vous permettra de créer un serveur de WebSocket très facilement en WinDev. Je vous montrerai le code juste après, vous allez voir, c'est super facile. Allez, j'ai ici un exemple d'utilisation des WebSockets. C'est une messagerie instantanée d'entreprise. On charge le projet. Hop. Ok, on fait go. Faisons go. Donc nous, on est connecté au chat. Maintenant, Manu, sur sa tablette, depuis son navigateur, va également se connecter. Ouais, alors pour qu'on voit bien, je vais afficher l'écran. Ça, c'est mon navigateur. Et normalement, j'ai un favori. Voilà. Ok. Je suis connecté. Ouais. Vas-y Manu, envoie-nous des trucs. Pas trop fort. Des trucs, bien. Okay. Donc là, le message est envoyé par le navigateur de Manu au serveur de WebSocket, et le serveur de WebSocket le renvoie au navigateur de Marc. Et même chose dans l'autre sens. Le navigateur de Marc envoie des messages au serveur de WebSocket qui les retransmet au navigateur de Manu. Et vous le voyez, c'est instantané. Allez, maintenant, regardons le code qui sert à faire ça. Alors, côté client, dans la page WebDev, pour se connecter au serveur de WebSocket, super facile, une fonction WLangage, SocketConnect, l'URL du serveur. Alors d'ailleurs, ici, vous remarquez, l'URL du serveur, en fait, elle ne commence pas par HTTP, elle commence par WS, pour WebSocket.
Et le dernier paramètre, c'est une procédure locale navigateur qui sera appelée quand la page recevra un message du serveur, du WebSocket, du serveur de WebSocket. Donc ça, c'était pour la connexion. Et pour l'envoi d'un message, bah là aussi, c'est super facile. Hein, une fonction WLangage, socket écrit, le nom du socket et le message à envoyer. Allez, allons voir côté serveur maintenant. Alors, un serveur de WebSocket, c'est un service. Donc nous, bah, évidemment, on l'a écrit en WinDev. J'ouvre le projet. Alors, vous le voyez, ici, on a utilisé le composant dont on vous parlait tout à l'heure. Ce composant, il est bien évidemment livré sur le DVD. Pour créer un serveur de WebSocket, il suffit d'utiliser l'objet WebSocket service de ce composant. On indique le port sur lequel le serveur de WebSocket va écouter. Donc chez nous, c'est le port 5010. Et on indique les différentes méthodes que le serveur doit appeler lorsqu'il reçoit un événement. Alors les événements, c'est connexion ouverte, donc ça correspond à la connexion d'un client, connexion fermée, la déconnexion, et réception texte, ça c'est quand le client écrit dans le socket. Et ensuite, il suffit de démarrer le serveur de WebSocket avec WebSocket serveur démarre, ici. Lors de la connexion d'un client, la procédure sur connexion est appelée. Et en paramètre, elle prend le nom du socket qui sera utilisé pour communiquer. Pour transmettre des informations, c'est super facile aussi. Il suffit d'utiliser la fonction WebSocket serveur écrit. Elle prend en paramètre le nom du socket et le texte à envoyer. Et ensuite, c'est à vous de jouer. Et là, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Un chat commercial ou technique en direct, comme on vient de le voir. Un éditeur de documents multi-utilisateurs en simultané. Plusieurs utilisateurs modifient un document, les modifications sont redispatchées via un WebSocket. Ou encore des notifications pour indiquer à votre tableau de bord décisionnel que le chiffre d'affaires a augmenté. Dans ce cas, le serveur de WebSocket surveille le chiffre d'affaires et il retransmet les modifications au navigateur connecté. Ou encore l'affichage d'un stock en temps réel sur un site de vente. Ou le nombre de places dispo sur un site de réservation. Et les WebSockets, vous pouvez vous en servir dans tous vos sites WebDev, même les sites générés en PHP. Grâce à la version 22, les pages de vos sites affichent des données temps réel. Les WebSockets en WLangage, serveur et navigateur, c'est facile à mettre en œuvre.